Derrière ces idéogrammes, une institution. Le canard pékinois popularisé dans le nord de la Chine il y a 150 ans. Adrien a été le premier restaurateur à le proposer aux Finnois. Il y a un dicton qui dit, si tu vas visiter la Chine et visiter Pékin, tu n'as pas goûté le Pékin Duck, ça veut dire que tu n'as pas visité Pékin. C'est tout comme le touriste qui va à Paris, il n'a pas vu la Tour Eiffel, donc il n'a pas visité Paris. À plat exceptionnel, préparation exceptionnelle. Ici, le canard est d'abord ébouillanté, puis il est laqué deux fois, avant d'être suspendu pour séchage, 30 heures durant. Et c'est seulement après que la cuisson commence. Pendant l'enfournement, tu vas encore laquer au moins 3 fois, si c'est possible 4 fois. Au bout de 2 heures, ton canard est prêt. Et il sera dégusté avec ses petites crêpes, car contrairement aux provinces du sud, le riz n'est pas la base de l'alimentation du nord de la Chine. Après une découpe minutieuse, place à la dégustation. C'est en compagnie de son fils et de ses petits-enfants qu'Adrien va s'y atteler. Ça fait 20 ans qu'on sert ce Peking Duck et aujourd'hui on est sur le 946e. Bientôt 1000. Ah, celui qui va commander le 1000e de Peking Duck, il va avoir une petite jolie surprise. La fête.